نسكر الغمة وننسى وكي نسحر نعاود نلقى. Documentaire, c'était, il est basé sur 3 jours et 3 nuits. C'était 3 jours. Donc, le temps réel était 2 mois. J'ai passé avec eux, avec les immigrants clandestins, 2 mois. Mais et j'ai ramené avec moi 42 heures de roche, de matière. Donc après, et la phase du montage a duré 2 ans. C'était pas un tournage conventionnel. Moi, je suis dans ma dernière année de thèse. Donc, comme j'avais une bourse, je suis allé en France pour terminer le dernier chapitre de ma thèse. Ma thèse est sur la question de la représentation de l'Occident dans le cinéma tunisien. J'ai loué une maison là où le plus grand camp des immigrants tunisiens. J'ai resté 25 jours avec eux, je les accompagne et je les aide. Parce que j'avais un ami dans une association qui travaille, il les aide à manger, à trouver des solutions, à rédiger des demandes, donc le travail associatif. Quoi. Bon, j'ai resté avec lui 25 jours. Et c'est ce qu'on appelle au cinéma la préparation. Peut-être au début c'était plus que 1000 personnes, mais pendant ces 25 jours j'ai choisi mes personnages et j'ai commencé à travailler avec eux après 25 jours. Lorsque j'ai commencé à travailler, eux ils m'ont l'objectif, c'était la caméra, était pour eux leur boîte à sucrer.